Hello à tous, bonsoir à tous. Ce soir, je fais cette vidéo. On voit la vidéo que j'avais prévue pour la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui se posent la question, comment je fais pour avoir de belles graphismes? C'est-à-dire, comment je fais et que mes joueurs, quand je joue, mon jeu est beau et puis j'ai des belles images. Alors, c'est simple. Pour avoir des beaux images ou soit des belles images, c'est simple. Il faut rentrer là. Vous voyez là? Je vais vous montrer. Vous voyez là? Là, vous rentrez là. Une fois que vous rentrez là, vous regardez bien. Il y a paramètres des vidéos ici. Là, paramètres des vidéos. Vous rentrez dans paramètres des vidéos. Une fois que vous arrivez dans paramètres des vidéos, vous voyez là, ils ont mis graphisme. Ils ont mis graphisme là. Où il y a graphisme, vous tapez. Vous voyez, si vous êtes en bas, normalement, il y a d'autres qui vont être là. Si vous êtes là, alors vous mettez là. Mais si vous voulez encore plus de graphisme, vous venez si élevé. Vous voyez, là, quand tu mets ici, c'est faible. Tu n'auras pas de bonnes images. Tu n'auras pas de bonnes images. Alors, si tu mets si standard, tu auras des. Pourquoi on appelle une bonne image, mais ça ne sera pas au top aussi. Donc, pour avoir encore plus de bonnes images, il faut venir si élevé. Mais attention, ceux qui n'ont pas de téléphone qui a une mémoire graphique de 4 gigas, ça va ralentir un peu parce que si ton téléphone ne supporte pas la qualité élevée, il faut revenir pour le mettre standard. S'il supporte pas standard, tu le laisses faible. Mais normalement, tous les téléphones Android doivent prendre standard. Ils peuvent supporter standard. Alors, si ça supporte standard, si tu étais sur standard, tu reviens sur élevé. Alors, quand tu le fais comme ça, tu l'auras, tu verras bien que tes joueurs seront bien visibles au terrain et tu auras des belles images en jouant et tu verras aussi certains détails que tu ne voyais pas auparavant. Mais si ton téléphone ne le supporte pas, alors tu fais pareil, tu rentres dans les mêmes paramètres là, tu viens, tu te mets là tranquillement comme ça et n'aura pas de problème. Moi je mets là parce que mon téléphone supporte élevé. Donc après, si tu fais ça, on va revenir en arrière. Après, si tu as fini de régler le graphisme, tu viens sur fréquence d'image. Fréquence d'image, j'avais déjà réglé, mais normalement, quand tu télécharges le jeu, quand tu télécharges le jeu, tu seras ici, dans 30 images par seconde. Donc, si tu es dans 30 images par seconde, il faut le cocher. Faut remonter en haut là, tu le mets sur 60 images par seconde. Vous voyez? Donc là, je le répète, si vous avez téléchargé le jeu nouvellement, même pas nouvellement, tant que tu n'as pas fait les réglages, si tu as le jeu, si tu n'as pas encore fait les réglages, tu vas te trouver là, dans 30 images par seconde. Alors, pour 30 images par seconde, c'est comme si, bon, c'est pas comment, c'est la rapidité, c'est la rapidité des flashbacks, c'est la rapidité. Donc il faut cocher 60 images par seconde qui est encore plus rapide. Quand c'est comme ça, la lisibilité, la visibilité s'améliore et ça sera très lisible au niveau des images. Et on verra aussi, vous verrez aussi plein de détails qui est ici. Donc c'est pour vous dire quoi, le 30 images par seconde est moins puissant que 60 images par seconde. Donc vous cochez 60 images par seconde. C'est pareil. Si vous le faites et que ça ne supporte pas, que le jeu commence à se ralentir et que il y a des petits bégouements, n'hésitez pas à revenir dans le même paramètre et les remettre sur 30 images par seconde. Voilà. Si ça bégue, ça veut dire que votre téléphone ne peut pas le supporter. Alors, si ça ne supporte pas, il faut revenir immédiatement dans les paramètres et recocher 30 images par seconde. Moi, je le laisse encore sur 60 images par seconde parce que mon téléphone supporte les 30 images par seconde. Vous voyez, donc on est là. Là, on a mis sur élevé. Ici, on a mis sur 60 images par seconde. Donc, du coup, j'aurai des meilleures qualités d'image. Alors, il y a une autre situation aussi. Il s'agit de là. Par exemple, pour ceux, on va revenir, pour ceux qui ont des Android, vous verrez là, si tu as ça,
Normalement, ça sera coché comme ça. Si c'est coché comme ça, vous verrez bien que votre téléphone va changer, l'écran va changer de couleur. Donc, quand ça change de couleur, ça serait un peu bizarre au niveau du gaming. Vous allez voir que le jeu sera un peu rouge. Pour que le jeu soit encore clair, vous regardez si ça, si l'œil-là n'est pas coché, vous le décochez, vous allez voir, votre jeu aussi va être clair. Je vais faire un exemple. On va aller directement, on va aller directement pour essayer de passer un match. Comme ça, vous allez voir les détails de tout ce que j'ai expliqué. On va rentrer dans le jeu et je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, donc si vous mettez 60 images par seconde, que votre téléphone ne supporte pas les 60 images par seconde, il faut revenir pour le mettre sur 30 images par seconde. Alors, au niveau du graphisme, vous le mettez sur le graphisme élevé. Si votre téléphone ne supporte pas le graphisme élevé, il faut le mettre standard. S'il ne supporte pas ce standard, vous le laissez sur faible. Vous le laissez sur faible. Donc, comme ce que je disais, vous allez voir, je vais venir dans le menu d'entraînement pour vous expliquer ce que je faisais tout à l'heure. On va venir là, entraînement, exercice libre. L'exercice libre, je vais chercher plutôt style de match. Style de match qui est dont j'avais déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Alors là, je vais prendre voilà, vous voyez là que c'est l'image est claire. Mais vous allez voir, quand je vais cocher l'œil là, vous voyez l'œil là, quand je vais le cocher, l'œil qui est là, quand je vais le cocher, vous allez voir, mon image sera un peu rouge. Ouais, c'est un peu jaune, un peu rouge d'une manière. Donc, pour ceux qui ont leur téléphone, je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous vérifiez si c'est pas aussi coché. Si c'est pas coché comme ça, si c'est coché, vous l'enlevez. Si c'est pas coché, vous laissez. Voilà, pour moi, je l'ai coché pour vous montrer. Donc là, l'œil là, je vais l'enlever tout à l'heure. Vous allez voir mon image, elle est devenue claire. Quand il est activé, ton écran devient rouge. En fait, ça, c'est pour l'œil, vous faites. C'est pour ceux qui manipulent beaucoup le téléphone. Quand tu manipules beaucoup le téléphone, du coup, pour ne pas que la lumière du téléphone fatigue tes yeux, on coche ça. C'est moi qui l'avais coché pour mes yeux parce qu'à un moment donné, j'ai manipulé beaucoup mon téléphone, c'est pour les yeux. Donc, si tu ne manipules pas trop ton téléphone, tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Quand tu l'enlèves, tu verras quand tu joues, ton jeu est bien, tu vois, vous voyez, le jeu est bien clair, bien blanc. Hein? Et même, regardez, quand je vais augmenter la lumière encore, vous allez voir, c'est encore plus beau, vous voyez. Le jeu est encore plus beau quand j'augmente la lumière. Vous allez voir. Vous voyez, quand j'augmente la lumière, c'est encore plus beau. Tac, c'est encore plus beau. Ça, je vais envoyer de l'autre côté. Mais vous allez voir, tout à l'heure, je vais essayer de cocher celui-là. Vous allez voir, c'est devenu rouge. Vous voyez, c'est devenu un peu rouge. C'est pas trop beau, mais bon, on a chacun nos goûts. Hein. Si je laisse cette couleur-là vous plaît, vous pouvez laisser comme ça. Dans le cas contraire, vous pouvez l'enlever aussi. C'est pas obligé, ça dépend de comment on trouve. Voilà, ça dépend de comment on trouve. Donc moi, je vais l'enlever déjà. Je vais l'enlever et voilà, je l'enlève. Vous voyez, quand je l'enlève, le jeu est bien, bien clair. Vous voyez, il y a plein de détails qu'on voit déjà. Plein de détails qu'on voit déjà. Donc c'était ça que je voulais vous expliquer ce soir avant la vidéo. Je dois faire une vidéo sur la prochaine vidéo. Sera peut-être, je ne l'ai pas encore préparé, mais la vidéo sera peut-être sur comment défendre ou les différents meilleurs milieux du terrain. À vous de voir. Laissez-moi dans le commentaire parmi ces deux idées laquelle vous aimeriez voir en premier. Que je prépare cette vidéo pour peut-être lundi ou avant lundi, peut-être. Donc si c'est on va arrêter cette vidéo là ce soir comme ça et je vous dis bonne soirée à tous, que la paix du Tout-Puissant soit sur vous. Voilà, que Dieu parce qu'on réussit tous, on réussit dans tout ce que nous entreprenons, que Dieu nous donne longue vie, qu'il prend soin de vous et aussi et de votre famille, et que la paix du Tout-Puissant vous accompagne dans tout ce que vous faites. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui me soutiennent, on se dit à la prochaine.